Et très, très belle course. Je n'ai jamais cru que j'allais me positionner devant une voiture de nouvelle génération. Et surtout, aujourd'hui, c'était plus ou moins approprié pour ce genre de véhicule. Et me trouver à la première place, c'est une très bonne chose pour moi. Après tant d'années, il faudrait déjà toujours prêt à l'attaque. Donc c'est ce que j'aime bien. Et puis et voilà, très satisfait après quelques années, c'est très bien. C'est un début de saison. C'est vrai que c'est la première course de côte, ma première course de côte aussi sur la R5. Alors c'est vrai que ça n'a pas été facile, puisque la voiture est faite surtout pour les rallyes. Maintenant, bon, ça s'est bien passé d'une manière générale. On a quand même une météo assez capricieuse, puisqu'il faisait beau ce matin, il a plus midi, il a plus cet après-midi, pour faire beau en dernière montée de classement. Mais malheureusement, j'ai eu un petit problème technique sur l'auto, donc je n'ai pas pu faire la dernière montée. Maintenant, ça s'est très bien passé quand même, on finit deuxième. Donc c'est un bon résultat, je dirais, pour une course de côte. Et qu'est-ce que je dirais de mieux qu'on s'attend, on attend le prochain rendez-vous, la course de côte de Borromée, dans 15 jours, puisque c'est déjà dans 15 jours. Et ça va enchaîner ensuite par les mamelles. Donc je pense que ce sera positif. La mise en main continue, c'est vrai que la mise en main continue, surtout sur les courses de côte, parce que ce sont des stratégies différentes. On se retrouve seul face à l'animal, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc bon, ça va. Je reste quand même positif et je me dis, bon, au fur et à mesure, ça va s'améliorer, ça ira de mieux en mieux. Et bon, je pense que je pourrai quand même accéder, entre guillemets, c'est le but, à la plus haute marche du podium. Satisfait. Je savais qu'avec Olivier Vadeloup et Pierre Nègre, hein, deux costauds de la Guadeloupe, hein. Donc être derrière eux, bah, je suis entièrement satisfait. Avec ma petite voiture, on apprend pour l'instant. Hein, on l'apprend à la conduire parce qu'elle est un petit peu nouvelle pour moi. Hein, donc c'est ma deuxième course de côte avec. Donc j'apprends, donc je suis entièrement satisfait. C'était vraiment une bonne journée. La météo était un petit peu capricieuse, donc ça a un petit peu perturbé nos réglages. Hein, on savait plus trop comment faire. Voilà, pluie, pas pluie, slick, pas slick, enfin voilà. Mais enfin, ceci dit, très bonne course. Yeah.
Oui, alors effectivement, le plateau n'a pas été très fourni. Malheureusement, nous n'avons pas eu le nombre de pilotes auto que nous attendions. Mais cette année-ci, la ZEG a proposé du karting. Et grâce aux pilotes de karting, nous avons pu proposer un plateau et un spectacle inédit depuis quelques années, en tout cas, sur le sport automobile en Guadeloupe. Alors 2018 va être un peu comme 2017 d'ailleurs, puisque nous allons reproduire à peu près les mêmes compétitions. Sauf que cette année-ci, comme nous nous sommes engagés, nous allons proposer du karting dans chacune de nos épreuves de course de côte. Aujourd'hui, c'était Cafayère, demain, ce sera Borromée et après-demain, les Manor. Ah ben oui, comme vous le savez, la ZAG a à cœur de proposer des courses sous le joug de la réglementation. Et nous sommes appuyés aujourd'hui sur la Fédération française de sport automobile qui nous a envoyé directement sur place un officiel, donc le président de la commission de karting, pour nous aider à construire réglementairement le karting aux Antilles-Guyanes.